Pour tout, il y a un prix. C'est ce que vous dites. Vous devez payer pour tout. C'est comme ça. En ce moment, mon pied gauche est là, mon pied droit est là. Si mon pied droit veut aller là, il doit libérer cet espace, n'est-ce pas? Oui ou non? Non, non, je veux aussi être ici, mais je veux mettre mon pied là. Est-ce possible? Non. Donc, si je le fais joyeusement, je ne pense pas que ce soit un prix. Si je le fais avec peine, chaque pas est un prix, n'est-ce pas? Voyez, en ce moment, c'est la saison des mangues. Qu'est-ce que je fiche à Toronto? 3 mois par an, en Inde, il n'y a qu'une seule religion, appelée mangue. On baigne dans les mangues. Durant la saison des mangues, qu'est-ce que je fais à Toronto? Quel prix à payer? Tout ce que vous faites volontairement, vous n'allez pas le sentir comme un prix. Tout ce que vous faites à contre-cœur est un prix, n'est-ce pas? Donc cela dépend de vous, que vous vouliez mener votre vie volontairement ou à contre-cœur. Tout ce qui vous arrive volontairement semble être le paradis. La même chose si elle vous arrive à contre-cœur semble être l'enfer, n'est-ce pas? Oui. C'est le choix que vous avez. Soit vous faites de chaque respiration, de chaque battement de cœur un processus volontaire, soit un processus à contre-cœur. Si vous le rendez à contre-cœur, tout sera souffrance. Si vous le rendez volontaire, tout est fantastique. Donc ne pensez pas au prix, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de temps pour payer un prix dans cette vie, parce que la vie n'est qu'un certain arrangement de temps et d'énergie. L'énergie, vous pouvez la gérer. Le temps s'écoule, n'est-ce pas? Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, vous êtes heureux, vous êtes malheureux, vous êtes réveillé ou vous êtes endormi, il s'écoule, n'est-ce pas? Les énergies, vous pouvez les conserver, vous pouvez vous reposer, être plus actif l'instant d'après, toutes ces choses, vous pouvez les faire, vous pouvez jouer avec l'énergie. Le temps s'écoule simplement. Pas de temps pour regarder en arrière et payer le prix. Regardez devant vous et faites ce que vous pouvez faire.